إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Mise en garde contre Islam ibn Ahmed », ainsi qu'une réfutation détaillée de ses manipulations et mensonges. Alors, parmi les hadiths qu'Islam ibn Ahmed a cité, donc de Kitab al-Tawhid, le hadith qu'on rapporte d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, où on dit qu'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa alayhi salam a dit: ô Seigneur, enseigne-moi quelque chose avec quoi je vais t'invoquer. Allah a dit: dis la ilaha illallah. Et Moussa alayhi salam a dit: tous tes serviteurs disent cela, jusqu'à la fin du hadith. Vous connaissez certainement le hadith. Le hadith se trouve dans le chapitre des mérites du Tawhid, dans Kitab Tawhid. Alors, écoutons ce qu'Islam ibn Ahmed a dit concernant ce hadith. Est-ce que ce hadith est authentique? Il ne faut pas se concentrer sur l'authentification de l'Hakim. Pour quelle raison? Car le Wahhabia ne se réfère pas au Hakim, ni Bukhari, ni autres personnes. Pour eux, il faut prendre chaque hadith et l'étudier et pouvoir si c'est authentique. Car dans les livres, dans ce sens-là, il y a beaucoup de hadiths inventés sur lesquels le Wahhabia sont d'accord avec nous. Et de plus, le Hakim l'a rapporté avec parmi plusieurs hadiths, et eux, ils prétendent suivre que le hadith authentique, on va voir. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Ce hadith, il est inventé, mensonger. Pour quelle raison? Car ce hadith, il est rapporté par Abu al-Haytham al-Makki. Abu al-Haytham, celui qui rapporte d'après lui, c'est Darraj Abu Samh. Darraj Abu Samh, d'après Abu al-Haytham, c'est une chaîne de transmission munkara sans divergence. Et Darraj Abu al-Haytham, ou Abu Samh, astaghfirullah, d'après Abu al-Haytham, c'est de là qu'il nous rapporte le hadith de Tinnin, le hadith de dragon. Est-ce qu'il y a un dragon en Islam? Il y a un dragon, c'est une légende. Mais il nous rapporte, Darraj Abu Samh rapporte d'après Abi al-Haytham, d'après Abu Sa'id al-Khudri, que le Nabi Sassan nous a parlé d'un fameux dragon qui mange, qui a 99 têtes et qui attaque les gens et qui mange, etc. Ça ne rentre pas dans la tête. C'est pour ça que les savants, sans divergence, prenez n'importe quelle référence, et j'aimerais bien qu'un jour, un wahhabite qui soit cheikh ou peu importe, importe, vient me dire que le contraire, que je me suis trompé dans les statuts et les jugements de ce hadith. J'aimerais bien. Car l'imam al-Wahhabiyya, les chouans al-Wahhabiyya, comme l'Albani et les autres, beaucoup d'autres, l'Ansari, etc., Bakr Abu Zayd, etc., tous sont d'accord sur ce que je vais dire. C'est pour ça que je ne vais pas évoquer les hadiths faibles où un malhonnête peut me dire que voilà, en se référant à des positions chèvres, et isolées, de dire voilà, il y a certains qui peuvent authentifier ce hadith ou bien les transmetteurs dans ce hadith. C'est pour ça. Je prends que les hadiths très faibles et mensongers. Alors, premièrement, il dit que les salafis, qu'il appelle al-Wahhabiyya, ne se réfèrent pas à al-Hakim, ni al-Bukhari, ne se réfèrent pas à al-Hakim, ni à al-Bukhari, ni autres. Pour eux, il faut prendre chaque hadith et l'étudier et voir si c'est authentique. Donc, pour Islam ibn Ahmed, les salafis ne se basent pas sur les savants de hadith. Ils prennent eux-mêmes les hadiths et les étudient. Mais comment Islam ibn Ahmed peut mentir jusqu'à ce point, sans aucune honte? Les salafis ne se réfèrent pas à l'imam al-Bukhari, ni autre. Mais est-ce que tu sais même ce qui sort de ta tête, Islam ibn Ahmed? Tu sais ce qui sort de ta tête? Déjà, tous les salafis ne maîtrisent pas la science du hadith.
beaucoup de salafis n'ont même jamais étudié cette science. Donc, comment ils vont prendre un hadith et commencer à l'étudier sans aucun outil? Et même les savants, ils ne peuvent pas étudier un hadith et faire abstraction des paroles des anciens savants. C'est-à-dire faire complètement abstraction des paroles des anciens savants, avant eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur tel rapporteur? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur tel isnad? Qu'est-ce que les savants de Jarh wa Ta'dil? Qu'est-ce que les savants de l'éloge et de la critique ont dit sur tel rapporteur? C'est-à-dire, les savants ne vont pas étudier un hadith et faire abstraction complètement de... C'est-à-dire faire complètement abstraction de tout ce que les anciens savants ont eu à dire sur un hadith. Donc, tellement que c'est un mensonge clair, je ne veux même pas me fatiguer à réfuter cela. Alors, Islam ibn Ahmad dit, ce hadith est un hadith inventé, mensonger. Pourquoi? Car c'est rapporté par Darraj Abu Samh, qui rapporte de Abil Haytham. Puis il dit, cette chaîne de transmission est Munkar, sans divergence. Il dit, cette chaîne de transmission est Munkar, sans divergence. Tout d'abord, moi je suis d'avis que ce hadith est faible. Et quand j'avais expliqué ce livre aux frères, je leur avais expliqué que ce hadith est da'if, c'est faible. Mais là n'est pas le problème. Et c'est un avis de certains savants. Donc là n'est pas dans le problème. Islam ibn Ahmad dit ce hadith est inventé, mensonger. Ah, c'est là le problème. Je dis, selon les règles des savants de hadith, on ne peut pas classer ce hadith parmi les hadiths inventés. Et si on prend la définition du hadith inventé donnée par le grand savant du hadith, l'imam Zahabi, on ne peut pas dire que ce hadith est un hadith inventé. Est-ce qu'il y a un menteur dans la chaîne de transmission? Non. Ça contredit des règles, des principes de la législation? Non. Quelqu'un peut dire, un hadith peut être inventé, même s'il ne contredit pas les règles, les principes de la législation. On dit oui, mais est-ce qu'il y a un menteur dans la chaîne de transmission? Non. Et l'imam Ahmed, quand il a parlé de cette chaîne de transmission, comme l'a mentionné Ibn Ali, il a dit que les hadiths de Darraj, d'après Abil Haytham, d'après Abi Saïd, il y a une faiblesse. Il n'a pas dit que c'est Munkar, à ma connaissance. Il n'a pas dit que c'est Munkar. Donc, d'où sors-tu ce consensus que c'est Munkar? Tu dis c'est Munkar sans divergence. Ce consensus-là sort d'où? Quand tu dis cette chaîne de transmission est Munkar sans divergence. Donc tu parles de quel consensus? Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus que cette chaîne de transmission est Munkar. C'est faux. Déjà, qui mentionne que cette chaîne de transmission est Munkar? Il n'y a pas de consensus. Ibn Shahin a même authentifié ce isnad. Il a authentifié ce isnad. Et si je ne m'abuse, Al-Hafz ibn Hajar mentionne cela, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si c'est Ibn Hajar qui mentionne ça ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est que Ibn Shahin a authentifié ce isnad. Ça, c'est sûr. Donc,
Tu dis c'est munkar, sans divergence. Comment sans divergence? C'est faux. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'Islam ibn Ahmad crée souvent des consensus pour faire passer ses positions. Donc, faites très attention. Quand Islam ibn Ahmad vous dit sans divergence, sans divergence, sans divergence, sans divergence dans la Ummah, faites très attention. Il crée des consensus pour faire passer ses positions. Et quelqu'un peut même refuter ce que tu as dit en te disant que Ibn Ali, dans Al-Kamil, au tome 4, à la page 16, mentionne qu'il y a des hadiths qu'on a réprouvés, des hadiths venant de Darraj. Et il a fait comprendre qu'en dehors de ces hadiths-là, donc ceux qu'on a reprouvés là, le reste de ces hadiths, il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un peut te refuter en te disant, ce hadith ne fait pas partie de ces hadiths-là, donc des hadiths qui ont été réprouvés là, car ça n'a pas été mentionné. Ça n'a pas été mentionné. Donc, parmi les hadiths qui ont été réprouvés. Même si je trouve que ce n'est pas un argument très fort. Mais, c'est pour te dire que quand tu dis c'est inventé, mensonger, tu exagères. Tu dis cette chaîne de transmission est munkar sans divergence. Si cette chaîne de transmission était munkar sans divergence, pourquoi l'imam al-Hakim a authentifié ce hadith? Pourquoi l'imam al-Zahabi a été d'accord avec lui? Si c'est munkar sans divergence. Car je ne connais pas d'autres rapporteurs qui rapportent ce hadith en dehors de Darraj, donc qui rapporte de Abi al-Haytham. Je parle ici du Madar al-Hadith. Et je veux même peut-être te surprendre. Ou surprendre tes auditeurs. Ibn Hajar a authentifié ce hadith dans le Fath. Ibn Hajar a authentifié ce hadith dans le Fath. Bien qu'il ait reconnu la faiblesse de la riwaya de Darraj d'après Abi al-Haytham. Mais Al-Hafiz Ibn Hajar a authentifié ce hadith dans le Fath. Après, on peut s'interroger qu'il a reconnu que cette riwaya a une faiblesse, donc Darraj, d'après Abi al-Haytham. Mais comment se fait-il qu'il authentifie le hadith? Allez, le plus savant. Peut-être il s'est basé sur la parole de Ibn Shahih. Bref, c'est pour dire que le hadith en question, que toi tu considères comme étant un hadith inventé, mensonger, il y a des savants du hadith, des grands savants du hadith, qui ont authentifié ce hadith. Donc, Al-Hafiz ibn Hajar ne connaît pas, il ne sait pas reconnaître un hadith. C'est-à-dire, il ne sait pas à quel moment on va dire qu'un hadith est inventé. Donc c'est pour te dire que tu exagères. Et tout ceci à cause de ta... Parce que tu as une haine envers le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ta haine te pousse à être injuste. Et il dit, j'aimerais bien qu'un jour, un Wahhabite, il vise les salafis. Il dit qu'il soit cher ou peu importe, viennent me dire le contraire que je me suis trompé dans le statut et le jugement de ce hadith. Déjà pour l'imam al-Hakim, tu t'es trompé, car il a authentifié ce hadith.
pour Al-Hafiz ibn Hajar, pour Al-Hafiz ibn Hajar, tu t'es aussi trompé. Car il a authentifié ce hadith. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne sait pas argumenter d'un hadith qu'aucun savant de hadith n'a authentifié. Ensuite, on n'a pas besoin d'un cheikh. On n'a pas besoin d'un cheikh. Moi, je viens te démontrer que tu t'es trompé sur le statut, sur le jugement de ce hadith. Tu as dit qu'il est inventé, mensonger. Or, c'est faux. Selon les règles du hadith, selon les règles des savants du hadith, ce hadith est simplement faible. Il n'y a pas de menteur dans cette chaîne de transmission. Certains ont essayé même de renforcer ce hadith en disant qu'il y a un autre hadith authentique qui va dans le même sens. Hein? Donc, il témoigne. C'est le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète Nuh, avant de mourir, a dit à son fils, je t'ordonne deux choses et je t'interdis deux choses. Il a dit, je t'ordonne la ilaha illallah, car si on met les sept cieux, les sept terres sur un côté de la balance, et la ilaha illallah sur l'autre côté, la ilaha illallah pèsera plus sur la balance, selon le sens, jusqu'à la fin du hadith. Donc certains ont dit, ce hadith va dans le même sens. Et ils ont aussi mentionné le hadith du Bitaqa. Hein, le hadith du Bitaqa, on avait déjà vu ce hadith dans certains cours. Et deux autres hadiths allant dans le même sens. Mais cet argumentaire-là n'est pas juste. Oui, on peut s'argumenter du hadith du Bitaqa, ou le hadith parlant du prophète Nuh, pour parler des mérites du tawhid. Comme c'est le titre que le cheikh a mis. Mais on ne peut pas s'argumenter de ça pour authentifier le hadith que le cheikh a cité. Car les histoires sont différentes. Dans les autres hadiths, on ne dit pas que Moussa alayhi salam a dit « Oh Allah, enseigne-moi quelque chose avec quoi je vais t'invoquer. » Comme c'est venu, n'est-ce pas, dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri. Donc les histoires sont différentes. Donc on ne peut pas renforcer cela. Donc en conclusion, on dit, ce hadith est faible. Mais dire qu'il est inventé, mensonger, non. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que si on dit que le hadith est inventé, mensonger, ça veut dire que si ça vient dans une autre chaîne de transmission faible, ça ne peut pas se renforcer, car la faiblesse est trop forte. Or, si on dit que c'est simplement faible, ça veut dire que si ça vient dans une autre chaîne de transmission, si on trouve une autre chaîne de transmission, ou un autre hadith, on va dire, bon, un hadith qui va dans le même sens, on dit que Moussa alayhi salam a dit Allah subhanahu wa ta'ala, enseigne-moi quelque chose avec quoi je vais t'invoquer, mais que dans cette chaîne de transmission, il y a une petite faiblesse, ça peut se renforcer avec le hadith que le cheikh a cité, et ça va devenir Hassan l'Iriri. Vous voyez? Donc, quand tu viens, tu dis, ce hadith est un hadith inventé, c'est un hadith mensonger, c'est faux, tu mens. Tout ceci parce que tu as une haine. Ensuite, Islam ibn Ahmad dit que le Cheikh al-Albani est d'accord avec ce qu'il va dire. La question que je te pose, où est-ce que le Cheikh al-Albani a dit que ce hadith est inventé, mensonger? Oui, le Cheikh al-Albani l'a rendu faible. Mais a-t-il dit que ce hadith est inventé, mensonger? A-t-il dit cela? Non. Donc, il n'est pas d'accord avec toi sur le jugement que tu as donné sur le hadith. Le Cheikh al-Albani a-t-il dit que ce hadith est munkar? Je dis bien le hadith. À
ma connaissance, non. Sauf si Islam ibn Ahmad nous apporte la référence. Sinon, ça sera classé dans la liste de ses mensonges sur les savants. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Da'if al-Targhib, il a dit ce hadith est da'if. Il a dit quoi? Ce hadith est da'if. Vous pouvez regarder numéro 923. Et juste avant, subhanallah, juste avant, il y a un hadith. Le Cheikh Al-Albani a dit concernant ce hadith, donc le hadith qui est juste avant ce hadith, le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, le Cheikh Al-Albani dit ce hadith-là est inventé, est maudou'a. Donc, le Cheikh Al-Albani dit que le hadith d'Abi Saïd al-Khudri est da'if. Il a dit da'if. C'est écrit da'if. Donc, faible. Juste avant ce hadith-là, donc juste avant le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, il y a un hadith. Et le Cheikh Al-Albani a dit que ce hadith-là est inventé, c'est maudou'a. Donc, ça montre clairement qu'il a fait la différence entre les deux. Si ce hadith-là était aussi inventé, il devait dire, que le hadith est maudou'. Comme a dit, Islam ibn Ahmad. Ou il devait même dire que ce hadith est munkar. Si c'était munkar pour lui, ici. Et dans un autre livre, j'ai vu que le Cheikh Al-Albani a dit, sa chaîne de transmission est faible. Donc, je n'ai pas vu où il a dit que c'est Munkar. Donc, montre-nous où le Cheikh Al-Albani a dit que ce hadith est Munkar. Montre-nous ça. Sinon, on ajoute ça dans ta liste ou dans la liste de tes mensonges sur les savants. Ensuite, Islam ibn Ahmad dit, c'est pourquoi je ne vais pas évoquer les hadiths faibles, où un malhonnête peut me dire que voilà, en se référant à des positions chases, isolées, de dire, voilà, il y a certains qui peuvent authentifier ce hadith, ou bien les transmetteurs de ce hadith, et dans ce hadith. Alors, je dis, dans cette parole, il y a une tromperie. Dans cette parole, il y a une tromperie et en même temps, une fausseté. Islam ibn Ahmad, dans cette parole, veut faire croire qu'il ne va évoquer que des hadiths sur lesquels les savants sont unanimes, qu'ils ne sont pas authentiques. Or, ceci est faux. Déjà, le hadith qu'il a cité, les savants ne sont pas unanimes, que c'est inventé, mensonger. Munkar. Si on affirme même d'abord qu'il y a des savants du hadith qui ont dit que c'est un hadith inventé, mensonger. Car je n'ai pas vu cela jusqu'à présent. Donc, hasbi ilmi. Ensuite, parmi les méthodes d'Islam ibn Ahmad, lorsqu'il veut donner du poids à sa position, s'il y a un avis qui n'est pas l'avis de la majorité des savants, il qualifie cet avis de chaise, isolé. Cela pour que ses auditeurs ne prennent pas cet avis. D'abord, sur quelle base tu classes un avis ou des avis comme étant chaise? Sur quelle base? Tu te bases sur quoi? Si tu dis, car c'est l'avis d'une minorité de savants, je te pose la question. L'avis de la minorité des savants doit être toujours classé comme étant un avis chaise? Ou bien, elle peut être classée chaise lorsqu'elle n'est pas en conformité avec ta passion? Et si elle est en conformité avec ta passion, là, elle n'est plus considérée comme étant chaise. Car Islam ibn Ahmad a plusieurs fois adopté des avis qui ne sont pas les avis de la majorité des savants. Plus que ça,
il a parfois adopté des positions qu'aucun savant du hadith connu parmi ceux qui nous ont précédés n'a eu. Islam ibn Ahmad vient dire tel hadith est faible. Pourtant, le hadith est dans le Sahih. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et aucun savant du hadith n'a dit que c'était un hadith faible. Mais Islam ibn Ahmad vient dire que c'est faible. Sa position est quoi ici? On va dire qu'elle est. Elle est chaise, isolée. Ou bien, si il faut, c'est-à-dire fonctionner selon ta façon d'agir. On va dire quoi? Que ta position est chaise, isolée. Ensuite, sur quelle base tu traites celui qui va venir avec un avis chaise, selon toi, de malhonnête? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour être malhonnête? Parce qu'il ne t'a pas suivi dans ta passion, c'est à cause de ça qu'il est malhonnête. Parce qu'il te cite un avis chaise selon toi qu'il est malhonnête. Celui qui cite un avis chaise, il devient malhonnête parce qu'il a cité un avis qui est chaise. Pourquoi tu fais un lien entre l'avis chaise et la malhonnêteté? C'est toi vraiment qui es malhonnête avec tes manipulations et mensonges. Et dans les propos d'Islam ibn Ahmad, on comprend clairement qu'il ne cite pas les hadiths faibles car il peut y avoir divergence. Au point où quelqu'un peut même lui apporter un avis isolé, donc chaz, un malhonnête selon lui. Donc, à cause de cela, il ne cite pas les hadiths faibles. Donc, il va citer quoi? Il va citer des hadiths très faibles ou inventés comme lui-même l'a dit. Donc, on comprend quoi ici? On comprend clairement qu'Islam ibn Ahmad veut nous informer que les hadiths qu'il va citer sont des hadiths jugés très faibles ou mensongers par consensus des savants. Or, ceci est un mensonge. Il n'y a aucun hadith qu'Islam ibn Ahmad a cité de Kitab al-Tawhid dans sa vidéo sur lequel tous les savants sont unanimes que c'est très faible ou inventé. Aucun, je dis bien aucun. Et je vais vous démontrer ça au fur et à mesure, Inch'Allah. Déjà, le premier hadith qu'il a cité, Al-Hakim l'a authentifié. Et il le sait. Et il le sait. Mais malgré ça, il veut nous faire comprendre qu'il ne va citer que des textes sur lesquels les savants sont unanimes au niveau de la faiblesse. Ensuite, je dis, si la raison qui t'a poussé à ne pas citer les hadiths faibles, c'est le fait qu'il peut y avoir divergence. Il peut même y avoir un avis isolé. Si c'est ça la raison, alors tu ne devrais pas également citer les hadiths que tu as mentionnés comme étant très faibles ou inventés. Car il y a aussi divergence sur ces hadiths. Ou tu devrais chercher vraiment des hadiths sur lesquels il n'y a aucune divergence, qu'ils sont inventés ou très faibles. Mais comme tu n'as pas trouvé cela, alors tu as essayé de passer par cette ruse. Et tu t'es peut-être dit que les gens ne vont pas s'en rendre compte. Malheureusement pour toi, tu as été dévoilé. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, hein. Tu seras encore plus dévoilé, Inch'Allah. Alors, le deuxième hadith qu'Islam ibn Ahmad a cité, c'est le hadith de Anas. Le hadith de Anas, radiallahu anhu,
où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit ô fils d'Adam, si tu viens avec les péchés qui ont rempli toute la terre, puis tu ne m'as rien associé, donc tu n'as pas fait le shirk, je te pardonnerai cela. Le sens du hadith. Alors, Islam ibn Ahmad dit, à partir de la 9e minute, 19e seconde, jusqu'à la 11e minute, 31e seconde, il dit ceci. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Toujours, je dis, il ne faut pas, même si Tirmidhi l'a rapporté, Tirmidhi l'a rapporté dans un contexte, et Tirmidhi par la suite n'a pas autorisé les sons des musulmans à partir de ce hadith. On a d'autres hadiths dans la croyance musulmane, mais eux, ils utilisent ce genre de hadith pour utiliser le son musulman. Est-ce que ce hadith est authentique? Ce hadith, il a été rapporté par Kathir ibn Fa'id, et qui le rapporte d'après Ibn Sa'id al-Hana'i, d'après Bakr ibn Abdullah al-Muzni, d'après Anas ibn Malik. Al-Hana'i, c'est un transmetteur faible, il est modeste. Certains disent qu'il est bon, certains disent qu'il est faible. Donc on peut dire qu'il est bon, ce n'est pas important. Ibn Fa'id, c'est un transmetteur faible et inconnu. Donc, avec ces deux raisons, on dit le hadith faible, ce statut ne peut pas avoir une divergence. Mais le problème se trouve pas que dans, ou bien le problème, ce n'est pas que ça. Ce hadith a été rapporté par Abu Qutayba, il l'a rapporté l'imam Dharqutni d'après Abu Qutayba. Et Abu Qutayba n'a rapporté ça en tant qu'une parole de Anas ibn Malik, attribuée à Anas ibn Malik. La chaîne de transmission, elle est faible. Mais si on fait une comparaison entre Al-Hana'i qui est faible et Abu Qutayba qui est valide dans Al-Hadith, Abu Qutayba, dans sa chaîne de transmission qu'il a rapporté aussi, avec cette chaîne de transmission qui est un peu faible, il nous dit que c'est la parole de Anas ibn Malik. Et Ibn Fa'id, il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la science du hadith, on dit cette manière munkara. Et le fait d'attribuer une parole, même si elle est authentique d'un compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence, on appelle ça hadith makdoub, inventé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète ne l'a pas prononcé. Maintenant, est-ce que c'est la parole de Anas ou pas? Là, la question, la scène de transmission, quand même, elle est faible. Mais pour l'attribuer au prophète, sallam, on est dans le mensonge. Alors, analysons les propos d'Islam ibn Ahmad. D'abord, il dit, même si Tirmidhi l'a rapporté, Tirmidhi l'a rapporté dans un contexte. Je dis, d'abord, Tirmidhi n'a pas fait que rapporter ce hadith. Il l'a authentifié, en le considérant comme étant un hadith hassan. Pourquoi tu te contentes de dire, même si Tirmidhi l'a rapporté? Il n'a pas seulement rapporté ce hadith, il l'a authentifié, en le considérant comme étant hassan. Donc déjà, le fait que Tirmidhi l'ait authentifié montre qu'il y a une divergence sur l'authenticité de ce hadith. Et toi, tu dis que c'est un hadith inventé, mensonger. Et tu fais croire aux gens que tu ne vas citer que des hadiths inventés, mensongers, très faibles, et dont les savants sont unanimes. C'est ce que tu as voulu faire croire aux gens. Et le Cheikh Al-Albani a authentifié également ce hadith, si je ne m'abuse. Le Cheikh Al-Albani a authentifié également ce hadith, si je ne m'abuse. J'ai dit, Tirmidhi l'a rapporté dans un contexte. Quel est ce contexte-là? Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a mentionné dans quel contexte? Tu dis Tirmidhi, par la suite, n'a pas autorisé le sang des musulmans à partir de ce hadith. Mais eux, ils utilisent ce hadith, ce genre de hadith, pour utiliser le sang des musulmans. Je dis,
Déjà, où est le rapport entre le sang des musulmans et ce hadith? Où est le rapport entre le sang des musulmans et ce hadith? Tellement tu as une haine envers les salafis que tu parles même sans réfléchir. Tu parles avec passion. On dirait quelqu'un qui est saoul. Tu parles, on dirait quelqu'un qui a perdu ses facultés mentales. Où est le rapport entre le sang des musulmans et ce hadith? Ce hadith nous montre les mérites du tawhid. Ça montre que peu importe les péchés, peu importe les péchés que le serviteur peut faire, s'il n'associe rien à Allah, Allah peut lui pardonner tous ces péchés-là. Ce hadith montre les mérites du tawhid. Où est le rapport entre ça et le sang des musulmans? Où est le rapport entre ça et le sang des musulmans? Islam ibn Ahmad. Ce hadith montre les mérites du tawhid. Quoi, tu n'es pas d'accord avec ça? Ou bien tu es quelqu'un qui fait du shirk? Parce que je ne comprends pas ton problème. Et ce qui est dans ce hadith est confirmé par le Coran. C'est confirmé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre dans le Coran qu'il ne pardonne pas quiconque lui donne des associés, mais à part celui qui pardonne, il pardonne à qui il veut. Donc, Aina Ishkal, où est le problème? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés sauf le shirk. Le shirk, le kufr. Ton problème, il est où? Et le cher Mohamed ibn Abdil Wahhab, a mis ce hadith dans le chapitre des mérites du tawhid. Et nulle part dans le chapitre, le cher parle du sang. Ça, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Comme tu as trop de haine et que tu ne sais plus comment faire, tu inventes des choses. C'est ça, en fait. Alors, on s'arrête ici. Et la prochaine séance, on va voir les arguments qu'Islam ibn Ahmad a cités pour dire que ce hadith est un hadith inventé, mensonger. Et on verra si vraiment ce hadith, on peut dire selon les règles des savants du hadith, on verra si on peut vraiment dire que c'est un hadith inventé, mensonger. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.